23h à Kinshasa, une heure de plus à l'est de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de 23h sur la radio-télévision nationale congolaise. Victime des violences policières lors des revendications des écoliers en faveur de la paix et sécurité devant la mairie de Beni, Abigail fracturée est bel et bien arrivée à Kinshasa cet après-midi pour des soins appropriés. Et puis, troisième vague du coronavirus. Attention, la police prévient, tout contrevenant aux mesures barrières s'exposera à des sanctions. Voilà tout pour le titre, mesdames et messieurs. Bonsoir, je le disais dans le titre, victime de violences policières lors des revendications des écoliers en faveur de la paix et sécurité devant la mairie de Beni, Abigail fracturée est arrivé à Kinshasa ce mardi pour des soins appropriés. Son transfèrement a été rendu possible grâce à l'engagement personnel du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez. Élève pré-finaliste en agronomie, Abigail fait partie d'élèves de Beni qui avaient manifesté pour faire entendre leur voix auprès du chef de l'État face à la recrudescence de l'insécurité dans la ville de Beni et ses environs. Brutalisée par les forces de l'ordre, elle s'en est sortie avec un bras cassé. À la faveur de la tribune populaire organisée par le chef de l'État à Beni, Abigail a raconté son calvaire au chef de l'État qui a décidé d'assurer des soins de santé adéquats à la victime. Arrivée à Kinshasa ce mardi par un régulier de CAA, l'élève Katungu est resté très ému par cette grandeur d'âme du chef de l'État. Dès ce mercredi, elle sera reçue par un médecin spécialiste dans une grande formation médicale. Suivant la volonté du chef de l'État, Abigail va terminer ses études secondaires à Kinshasa avant de s'inscrire à la faculté d'agronomie à l'université de Kinshasa. L'élève Katungu a remercié le chef de l'État. Nafurahi sana chef de l'État kunikamata a charge paparaaaakosamakuta kunitunzisha nina raha sana. Au cours de son entretien avec les forces vives de Beni, le chef de l'État avait demandé pardon pour cette bavure policière. En traitant, une enquête a été ouverte pour retrouver le coupable. Restons dans le Nord Kivu, ils ont finalement décidé de se rendre et remettre les armes. Pour faciliter le retour de la paix, certains groupes armés ont remis leurs armes au lieutenant général Luboya Nkashama lors de sa visite à Kichanga. C'est dans sa casquette de gouverneur militaire de province et a aussi en charge les opérations que le lieutenant-général Ndima Kongba Constant s'est rendu ce lundi 21 juin à Kichanga, cité située à cheval entre les territoires de Rutshuru et celui de Masisi, à plus ou moins 120 km au nord-ouest de Goma, pour recevoir des mains du commandant secteur opérationnel Sokola 2 Nord Kivu, 73 armes et 134 rendus issus des différents groupes armés, dont CMC Nyatura de Domi, FDLR Foka, Nyatura Bazungu et APCLS de Janvier Karahire. Il s'agit en effet d'un bilan d'un mois et 10 jours de pression des forces armées de la République démocratique du Congo sur ces détenteurs illégaux d'armes à feu dans le cadre de l'état de siège tel que voulu par le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. À cet effet, la population de la place, qui a tant souffert du comportement de ces détenteurs illégaux d'armes à feu, n'a pas manqué de mots. Peut-être qu'il t'a indélé à Gupunguka. Il est une anifulaïche. Babibi est tout balcon à Nababaka, parce qu'il est tout banababaka, batoto est tout banawawa, banabakatabichwa, l'anjo ville et qui was a cana, et qui méritait à Gusamanjo et Nimekua, l'été à Guchumbria, il n'a pas à Wazakana, Gukata, Bubaya, Wakibandi.
Mimi nashukuru sana na mimi nafurahi sana kuona wale wa ndugu wetu wa Maimai walikuwa wanatusumbua sana. Sisi tunatoka kunivo ya Goma ama Bukavu. Tulikuwa tunaogopa kufika hapa Kichanga, lakini kwa leo tunajisikia tuko huru, tunauzisha biashara hata hakuna probleme. Mimi nashukuru sana kuona gavana wetu amefika mahali hapa. Mimi nafurahi sana kabisa sana tena sana. Notons que plusieurs autres redditions sont en gestation dans notre zone de responsabilité. Il s'agit du résultat de l'état de siège tel que prôné par le commandant suprême, la reddition qui vient de s'opérer aujourd'hui. Nous vous signalons aussi que cette reddition vient de s'effectuer pendant que le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, poursuit son séjour ici en province du Nord-Kivu. Depuis Kichanga, à plus de 120 km de la ville de Goma, Major Jike Kaiko Guillaume, pour école militaire. Vous avez certainement corrigé avec moi qu'il s'agit du lieutenant-général Ndima Constant. Nous allons retourner à Kinshasa pour parler de cette visite du chef d'état-major de l'Égypte dans le cadre de la coopération militaire entre l'Égypte et la République démocratique du Congo. Le chef d'état-major général des forces armées de la République arabe d'Égypte effectue depuis le 21 juin 2021 une visite de travail de 4 jours en République démocratique du Congo. Accueilli à l'aéroport d'Ndjili, le lieutenant-général Mohamed Farid a déclaré que le but de son voyage dans la capitale de la République démocratique du Congo est de renouer les relations historiques entre les armées des deux pays. À la tête d'une forte délégation militaire égyptienne, le chef d'état-major général des forces armées de la République arabe d'Égypte a été reçu par son homologue congolais, le général d'armée Mbalamou Saint-Célestin. Lors de leurs échanges, ponctués par la présentation de leurs délégations respectives, ils ont magnifié la coopération militaire, les opportunités de la renforcer et la nécessité d'aller d'avant. À cette occasion, les experts militaires égyptiens et congolais ont eu une longue séance de travail dans la salle des souvenirs du Collège des hautes études de stratégie et de défense de Kinshasa pour inventorier les besoins et domaines d'intervention pour une coopération militaire totalement dédiée à la sécurité de chaque pays et à la stabilité de l'Afrique. À l'issue de cette importante visite, les deux chefs d'état-major généraux ont signé les rapports conjoints qui a sanctionné les travaux des experts militaires égyptiens et congolais. Ces rapports conjoints reprennent les priorités inscrites dans la coopération militaire que les deux pays veulent voir se raffermir et se développer. À la fin de ces travaux, le chef d'état-major général égyptien a livré ses impressions à la caméra du service des communications des forces armées de la République démocratique du Congo. Tout d'abord, je dois remercier Monsieur le chef d'état-major général des forces armées pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité et tout ce que nous avons vu ici et ressenti ici en République démocratique. Attention, troisième vague du coronavirus. Le commissaire provincial de la police nationale ville de Kinshasa hausse les tons pour le respect des gestes barrières. De ce mercredi 23 juin 2021, un contrôle systématique sera opéré pour faire respecter les gestes barrières conformément à l'arrêté du gouverneur de la ville de Kinshasa. Port du masque obligatoire et prise des températures à chaque barrière, les agents de la DGRK et de la police seront déployés pour faire percevoir les amendes. Hier, les agents de la DGRK et de la police seront déployés pour appliquer les mesures prévues sur l'arrêté du gouverneur de la ville-province Kinshasa de ce mercredi 23 juin 2021. L'objectif est de lutter contre la propagation de la pandémie du Covid-19, troisième vague. Cette mission conjointe PNC-DGRK... Vous, de la première vague, il n'y avait pas d'amende. Il y avait le confinement de la Gombe, la deuxième vague. C'est parce que la troisième vague est plus extravagante, elle est vraiment ravageuse. La maladie elle est sérieuse, nous avons perdu les nôtres, quoi, vous aussi dans vos familles respectives. Nous devons épargner les vies humaines. La décision du gouvernement, c'est pour épargner les vies humaines. C'est pour cela qu'il a pris l'arrêté pour que ces gens, pour que les Quinois puissent respecter. Si vous voulez ne pas être dérangé par la police, respectez les mesures, respectez la décision de l'autorité urbaine, vous n'aurez pas de problème. Mettra dans son filet et avec amende
Toute personne qui ne va pas respecter les instructions données par le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Jean-Timi Ngobila, sous le respect de mesures barrières. Ces deux comités PNCDGRK déterminés à veiller à l'application stricte de ces mesures prises en vue de préserver la population de Kinshasa au risque de cette pandémie. Et des agents dans tous les postes de la police pour collecter les amendes. Vous savez, c'est une contrainte que le gouverneur a imposée. Ce n'est pas pour renflouer les caisses de la ville, mais c'est plutôt pour sauver des vies humaines. Alors nous, la DGRK, nous venons appuyer la police pour mettre en pratique cette contrainte-là au niveau des amendes. Nous allons collecter, parce que c'est nous qui sommes attitré, nous allons collecter et reverser dans le trésor urbain. La population kinoise est appelée à s'approprier les mesures prises. En cas de non-respect de mesures barrières par une église, celle-ci sera interdite de fonctionner pour une durée de 15 jours. Les personnes qui ne porteront pas le masque vont encourir une amende de 10 000 francs congolais. Le respect de la distanciation dans les transports en commun est de rigueur. Nous venons de l'apprendre, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Maputo, au Mozambique. Il va participer demain au sommet de chef d'État de la SADC sur la sécurité dans la région et surtout la question de l'Est de la République démocratique du Congo. La presse présidentielle nous propose l'arrivée du président de la République au Mozambique. Vont participer au sommet extraordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC qui se tient de ce mercredi 23 juin dans la capitale mozambicaine Maputo. Le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a foulé le sol mozambicain ce mardi 22 juin à 20h20, heure locale. À la descente d'avion, il a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères ainsi que sa collègue du tourisme du Mozambique. Côté congolais, on a noté la présence du ministre de l'Intégration régionale, Didier Manzengu, et du conseiller principal du chef de l'État en charge de la diplomatie, Christian Bushiri Ongala, qui explique ici les contextes du dit sommet. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des attaques terroristes ici dans la province de Cabo Delgado, avec plusieurs morts et des déplacés. Donc le sommet extraordinaire de demain est convoqué pour que les 16 pays membres de la SADC puissent se prononcer sur la situation du terrorisme dans le continent et particulièrement dans la sous-région, dans la région de la SADC où le danger est permanent. Ça peut partir de Mozambique et embraser tout le reste des pays. Donc les chefs d'État ont vu, ont senti l'intérêt de se pencher sur ce sujet. Et donc le président de la RDC, notre président, comme président de l'Union africaine, est attendu sur ce sujet-là et donner de sa position. Et donc vous comprenez ipso facto que c'est des sujets qui préoccupent au plus haut point la RDC. Nous sommes dans la même configuration que ce qui se passe dans ce pays ici. Le terrorisme étant traité comme un danger transfrontalier et international, la participation de la République démocratique du Congo à ce forum vaut son pesant d'or dans la mesure où notre pays, dans sa partie est, est confronté à la même situation que le Mozambique. Retour à Kinshasa, comment permettre à nos enfants de s'informer pendant les cursus scolaires et acquérir une connaissance en culture générale? C'est l'essentiel de ce point de presse sur l'introduction de la culture de l'enseignement. L'éducation actuelle en République démocratique du Congo doit être repensée pour concilier l'homme et son environnement. Il est prouvé que l'enfant qui apprend dans sa langue maternelle et sa culture entre bien dans le savoir du monde. Open Society Initiative for Southern Africa, ou CISA, contribue à la fédération des efforts des différentes organisations et acteurs de la société civile pour la défense des droits culturels et la promotion de l'art et la culture dans le système éducatif. Dans la suite de l'atelier de formation sur l'art et la culture en faveur des acteurs de la société civile et auxiliaires de l'État engagés dans cette perspective de la réforme du système éducatif, ce point de presse, animé par Elfia Elessé et le professeur Clémentine Faïkunzouji, a permis beaucoup d'éclairage
sur la problématique. Une fois que nous avons pris cette conscience, la question ne se pose même pas. Nous verrons comment intégrer justement cette dimension qui est transversale dans les différents cours qui existent. Pour mettre en lumière cette urgence de la culture et de l'art, le professeur Clémentine Faik-Nzouji prend au hasard le concept de famille. En Occident, il est nucléaire, composé du père, de la mère et d'une sœur. En République démocratique du Congo, il est plus large, avec cousines, cousins, tantes et tontons. Dans un contexte d'école, l'enfant congolais a difficile à transposer l'image de la famille qu'on lui apprend à celle dans laquelle il vit. Ce n'est qu'un exemple qui prouve la difficulté de cet écolier à culturer. Dans un autre chapitre, le gouvernement congolais suspend le contrat d'exploitation offshore de la société Oil of DC Perenco, une propriété de Dan Gettler. La décision est prise après la mission gouvernementale conduite par le ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbou à Mwanda. Séverine Pascal Katanda était dans sa suite. À la séance de travail qu'a eu le ministre des Hydrocarbures et la délégation de Perenco à Kinshasa sur la transformation du gaz en énergie électrique, une équipe gouvernementale s'est enfin rendue sur place dans le cadre d'aboutissement du projet et l'examen de points du protocole d'accord existant entre les deux parties, notamment l'avenant 9 qui prévoit la prolongation du permis d'exploitation onshore avec la Perenco. Composé du ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbou Toubanga, de Ressources Hydrauliques Olivier Mwenze Moukaleng et des Finances Nicolas Kazadi, cette équipe gouvernementale a visité le dimanche 20 juin en compagnie de Arthur Guerriot, directeur général de Perenco, différents sites onshore et offshore de Perenco, ainsi que les navires FPSO Kalamu stationnés dans les littorales congolais. Juste après, une séance de travail entre les deux parties a ouvert le débat sur le renouvellement du permis d'exploitation onshore de la société Oil of RDC, propriétaire de Dan Gettler, qui devait expirer 2029 et 2024, lequel a conduit au refus du gouvernement congolais à la reconduction de ce permis à Mwanda. Pour le gouvernement, ces contrats unissant les deux parties, dont le contour est flou, devraient être un partenariat gagnant-gagnant. L'entreprise pétrolière veut s'assurer du renouvellement de ce permis. Question de mettre en bras les outils nécessaires en vue de la transformation du gaz en énergie électrique d'une capacité d'environ 200 mégawatts. Et puis il faut rapidement relancer totalement les activités du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Ce sujet a été expliqué par Al Kitenge dans un atelier autour du ministre de l'Agriculture. Cette séance de présentation, essentiellement technique, effectuée par Al Kitenge, expert en intelligence économique, a permis de mettre en exergue les différentes options novatrices et ambitieuses pouvant booster concrètement la relance du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Partant de l'exploitation de toute l'étendue du site, la production, la distribution, jusqu'à la commercialisation, tous les paramètres ont été pris en compte et minutieusement explicités. Je pense que l'intelligence d'un peuple, c'est de savoir tirer des leçons de ses échecs et de ses erreurs. Et nous sommes dans cette situation aujourd'hui. Nous sommes donc venus voir Son Excellence Monsieur le Ministre pour lui dire que le chef de l'État lui donne un boulevard à blanc. Le grand boulevard que le chef de l'État lui donne, c'est de lui dire que nous sommes à la période de la revanche de la terre sur le sous-sol. Donc l'agriculture qui emploie 70% de notre population se trouve être le levier de tout développement réel de notre pays. Déterminé à poser des actes concrets et récolter des résultats à impact réel, le ministre de l'Agriculture, Désiré Ndinga Biriand, veut plus de pragmatisme. Quelques heures plus tôt, le numéro 1 de l'agriculture a reçu un consortium américain d'opérateurs des projets de développement accompagné par la ministre des personnes vivant avec handicap. Les échanges ont porté principalement sur des projets liés à la production alimentaire dans différentes provinces de la République démocratique du Congo. Et puis nous allons changer de chapitre. Notre confrère Edi Tchala nous rappelle que le 22 juin de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale des luttes contre la torture en République démocratique du Congo. Ce par une table ronde que la journée a été célébrée à Roméo Golf. Éradiquer la torture, enjeux, défis et perspectives, c'est le thème de la journée internationale des luttes contre la torture, célébrée chaque 22 juin. À l'occasion, une table ronde a été organisée mardi au Roméo Golf entre la MONUSCO, la société civile, la Commission nationale des droits de l'homme et les organisations de défense des droits de l'homme. La Constitution congolaise en son article 61 et plusieurs autres dispositions légales en RDC
interdisent la torture, mais aussi beaucoup de dispositions des protocoles internationaux auxquels la RDC est partie. L'article 5 de la Charte universelle des droits de l'homme en est un exemple, sans être exhaustif. La torture, elle, semble continuer son bonhomme de chemin et le rang des victimes continue à grossir. Il y a des efforts qui se déploient pour lutter contre le mauvais traitement. Le gouvernement Samalou Koundé, engagé dans la dynamique de l'état de droit impulsé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, n'envisage aucun compromis avec ses pratiques ni avec leurs auteurs. Le ministre des droits humains, Maître Albert Fabrice Mpouela, qui se trouve en déplacement dans le Kasaï, tient à l'éradication de ces pratiques sur l'ensemble du territoire national. Nous allons nous rendre au ministère de Mines pour voir ce qu'a été les condensés des audiences de la ministre, un balai diplomatique avec des ambassadeurs. L'ambassadeur de l'Union européenne, Jean-Marc Châtaignier, était chez la ministre de Mines, Antoinette Samba Kalambay. L'entretien a tourné autour de la transparence dans le secteur minier. Le numéro 1 de l'Union européenne partage la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, qui veut que la richesse minière soit d'abord profitable aux Congolais. Pour les diplomates de l'Union européenne, le minerai du Congo doit cesser d'être une source de malédiction, mais plutôt une source de bénédiction. Après sa fermeture en 2020, le groupe Glencore décide de reprendre les activités des Mutanda Mining en République démocratique du Congo. Une mine à ciel ouvert, spécialiste en production de cobalt et cuivre. Une délégation du groupe Glencore, conduite par son directeur commercial Nick Popolik, a été reçue par la ministre de Mines Antoinette Samba Kalambay. La relance des activités de la mine de Mutanda dans le Grand Katanga dès la fin de cette année était au centre de leur échange. La ministre s'est montrée favorable à toute initiative allant dans le sens d'impacter positivement des recettes de l'État. Les responsables de la Société du développement industriel et minier du Congo, Sodimico, sont venus présenter à la ministre la situation globale de cette société minière. Au regard des difficultés auxquelles fait face à la Sodimico, la ministre de Mines compte organiser une rencontre avec toutes les entreprises congolaises œuvrant dans le secteur minier en vue de trouver des solutions viables et valables à la course des dites entreprises. Comment se passe la multiplication des poissons chats africains appelés communément Ngolo? Question très importante qui trouve sa réponse dans ce reportage que nous propose notre consoeur Patricia Ongu. Elle a été dans la ferme Tibériade de Kimwesa. Contre la sous-alimentation au Congo et le chômage aux jeunes Congolais, c'est les soucis majeurs de l'ingénieur agronome Léon Bouamayama qui vient d'organiser une activité de multiplication intensive de poissons chats africains appelés communément Ngolo au moyen d'une technique artificielle. C'est à la ferme Tibériane à Kimwenzagar que se passe cette opération. Tozana bilei awa pembeni na biso oyo biso tokoki ko sangisa makanisi biso totangeli yango. Nous avons la nourriture ici chez nous. Nous pouvons partager nos connaissances acquises à l'université avec ceux qui veulent nous rejoindre. Tout ça, ce sont les efforts personnels, mais si l'État veut nous venir en aide, nous pouvons faire plus que ça. Et que singa assistance ya ba moyen ya ndenge nyonso tokoki ko panzango na bisika nyonso. Avec cette technique d'insémination artificielle, une innovation de plus, la population congolaise a l'avantage de manger bio, c'est-à-dire s'offrir une bonne alimentation naturelle et saine. Un très bon conseil pour manger bio, nous allons passer à la société La Diaspora s'engage à contribuer au développement de la RDC, l'une des responsables l'a dit au micro de la RTNC. Le RCK, c'est les résistants combattants du Congo. C'est un mouvement qui a pris naissance dans la diaspora, plus précisément en Belgique. Un regroupement de plusieurs Congolais de la diaspora qui venaient de tous les pays de la diaspora. Nous avons, en 2009, décidé qu'à un moment donné, il faut prendre les choses en main, il faut être acteur. Nous, au niveau du RCK, nous avons une éthique. Nous allons au combat pour gagner. Mais on gagne de façon propre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut critiquer un homme politique, on peut critiquer un industriel sur les actes qu'il pose et non sur sa personnalité, puisque ce n'est pas ça le plus important. Ce sont les actes qu'ils posent qui ont des conséquences sur la gestion de l'État. Et c'est sur ça que nous parlons, nous discutons pas trop. La résistance d'aujourd'hui, que le RCK a mené hier, c'est une résistance contre une oppression, contre un système qui était nocif pour notre pays. Mais aujourd'hui, cette résistance
C'est mué en parti politique, c'est mué en population, tout simplement en Congolais. Pourquoi ? Parce que nous devons accompagner le système qui est actuellement. Le chef de l'État a besoin de toute une force vive, mais une force vive intelligente et capable d'assumer les lourdes responsabilités. Et le RCK, notamment notre président Jean-Martin Sali Bongenge, est en capacité d'assumer les fonctions qu'il faut pour aider la vision du chef de l'État. Nous avons actuellement deux missions principales que nous avons déjà commencé depuis l'année dernière, c'est-à-dire former la jeunesse avec un centre de formation, le centre de formation Blécor, qui permet de former les jeunes dans des aspects techniques, tout ce qui est mécanique, tout ce qui est électricité, tout ce qui est coupe-couture, tout ce qui est informatique, langue et également aussi d'autres formations dans le cadre d'ingénierie. Mais également ce qui va apporter un développement considérable, qui va permettre à ce que le Congolais ne meure pas de faim, c'est l'agriculture. Et nous avons à ce titre, avec l'association des mamans maraîchères, commencé déjà un grand travail de labourage, un travail de semage qui va permettre à ce que le Congolais ne meure pas de faim. Mais pour cela, nous avons besoin de moyens. Nous avons besoin que le gouvernement s'investisse dans ces projets qui sont positifs pour le peuple congolais. Un mot de la religion consacré évêque pour la région ecclésiastique de la RDC, Mgr Ruffin Bofula Menga de l'église catholique Maria Vite a célébré une messe d'action de grâce, c'était le samedi dernier, dans la paroisse sainte Rita de Mongafula. Jacques Kababwa était là pour les comptes de la RTNC. La salle polyvalente de la paroisse Sainte Rita, cité Pumbwa, Mongafula, ville province Kinshasa, a servi de cadre le samedi 19 juin dernier à la messe d'action de grâce à l'occasion de l'ordination épiscopale de Mgr Ruffin Bofula Menga, consacré évêque pour la région ecclésiastique de la République démocratique du Congo. C'était le samedi 29 mai 2021 à la paroisse Enfant Jésus de Libreville par l'archevêque d'Afrique, vicaire apostolique de l'église catholique Maria Vite, Mgr Jean-Pierre Kondengoma. Agissant en pleine faculté, titre et fonction, après avoir examiné le dossier avec la grâce de l'Esprit Saint et conformément au droit canon, il est évêque régionnaire de la République démocratique du Congo par cet ordre sacré de l'épiscopat. Il exerce sous notre regard bienveillant et que le Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit bénisse l'apostolat du nouvel évêque. Les chrétiens qui sont venus nombrés à cette messe d'action des grâces de l'ordination épiscopale de Mgr Ruffin Bofula Menga sont rentrés visiblement satisfaits et ont remercié les créateurs du monde, Hachem, Dieu Tout-Puissant, source de toute vie, pour les choix de son serviteur. Des cadeaux ont été remis à l'évêque régional de la République démocratique du Congo qui a reçu la mission d'évangéliser les âmes perdues. Nous restons dans la religion. Le diocèse de Kabinda est confronté aux divers problèmes socio-économiques. En séjour à Kinshasa, l'évêque du diocèse de la province de l'Ouami, Félicien Tamboué, a exhorté les ressortissants de ces coins à contribuer pour le développement de leur entité. Le diocèse de Kabinda dans la province de l'Ouami connaît un retard déplorable dans son essor suite au conflit tribalo-ethnique. L'évêque du diocèse a fait ce constat 9 mois après son investiture. En séjour à Kinshasa, Félicien Tamboué Kassembe sensibilise les filles et fils de son diocèse en général et ceux de l'Ouami en particulier à la réconciliation et à l'unité sans lesquelles le développement est impossible dans cette partie du pays. Nous avons besoin de faire quelque chose chez nous pour alléger un tant soit peu les conditions de vie de notre population. Mon premier voyage pastoral m'avait conduit vers Lusambo. J'ai vécu ce que je n'avais jamais vécu dans ma vie. Parcourir 60 km en plus de 30 heures, sans dormir, sans se reposer. Ça concerne aussi Kabinda. Les 40 km en partant de Kabinda vers Mbujimayi, ou les 40 km en partant de Mbujimayi avant d'arriver à Kabinda, sont un casse-tête perpétuel. Nous ne savons pas quand ça sera la fin. Réagissant aux propos du prélat catholique, l'honorable professeur Adolphe Lomanou a reconnu que l'arrière-pays était abandonné et que maintenant les rationner pour que tout le monde s'y implique. Des Kabinda qui, à cheval, entre 3 provinces, puissent effectivement contribuer au développement. Et de tous les temps, j'ai dit à Monseigneur
que moi je vous soutenais. Je suis parmi, et je vous compte parmi, les acteurs de ce développement-là. Moi et ma famille, nous sommes très très engagés pour l'accompagner. Mais nous ne l'accompagnons pas comme si c'était lui l'acteur principal. Nous sommes tous des acteurs de tout le temps que vous êtes parmi les acteurs potentiels du développement de cette contrée-là. Nous allons terminer ce journal par cette belle musique. La fête de la musique, c'est aussi la sortie du maxi single de l'artiste américain d'origine.